est la lauréate du Grand Prix du répertoire jeune public. Lydie Dupuis est une autrice, compositrice et musicienne qui initie et éveille les enfants, mais aussi les parents à la création musicale. Quand j'écris de la musique ou du spectacle pour le jeune public, c'est l'idée d'aller chercher le tout public et d'amener le tout public à des esthétiques qu'il n'aurait pas forcément trouvées. Batteuse de formation, Lydie Dupuis multiplie les expériences musicales dans des genres différents. Irish punk rock, pop rock, chansons françaises, mais Lydie Dupuis est surtout passionnée de jazz. C'est vrai que j'aime bien mettre un peu de jazz partout. Quand je vais faire du rock ou du pop rock, il y a des fois je vais peut-être proposer des choses un peu plus ternaires, un peu plus swing, un peu plus décalées, des rythmiques pas forcément habituelles dans le rock ou dans la pop. Le jazz résonne dans tous ses spectacles, comme La Pétoche, Le Plumage coloré ou Nanan. Et quand l'album Nanan est sorti, on a eu des retours comme ça de parents qui disaient « bah moi je pensais pas aimer le jazz, mais en fait, cet album-là, je l'aime bien ». Alors que nous, on n'a rien changé, c'est un jazz comme les autres. Lydie Dupuis est née le 3 août 1984 à Saint-Étienne. En 2009, à la naissance de son fils, elle se spécialise en éveil musical. En avril 2012, elle crée son premier spectacle Lilliput. Depuis 2020, elle est directrice artistique de la compagnie Idylle pour continuer à créer pour ce public à part. Il n'a pas de barrière esthétique. Et on a la chance d'ailleurs dans le spectacle jeune public de faire encore ce qu'on veut esthétiquement. Il est participatif, il réagit. Et bah nous, quand on est sur scène, ça nous donne des ailes en fait.